Mais je veux dire, c'est pas vital, je suis pas à fond dépendante. Ça, c'est un mensonge, c'est pas vital. C'est pas vital de les regarder, par contre, c'est vital, entre guillemets, c'est mon travail. Moi, j'adore en fait partager ce que je fais. C'est-à-dire, je fais mes courses souvent. Des fois, je montre des trucs, ça peut paraître inutile, mais parce qu'on me demande grave, c'était quoi la sauce tomate que t'as pris? Donc, je montre la sauce tomate. Comme hier, les baskets des garçons, c'était quoi les garçons sur AliExpress? Les baskets, c'était AliExpress. Voilà, en fait, je montre un petit peu ce que je fais, ce que je cuisine. Mon mari, moi, je vais. Vous avez vu en vacances, j'ai fait plus d'efforts. Je fais des efforts comme ça quand je monte pas à mon mari. On me dit, vous n'êtes plus ensemble, etc. Non, en fait, nous, on aime bien montrer les garçons et tout. C'est vrai qu'on a tendance à préserver notre couple. On a dit qu'on ferait un peu plus d'efforts l'un et l'autre pour partager ça. Ça nous gêne. Dès qu'on ne voit pas, parfois, on entend, vous êtes divorcés ou quoi? Mais non, non. On s'entend bien, on a un bon délire, on se prend pas la tête. Il veut partir en vacances, pars avec tes copains. Je suis pas la femme à qui ça gêne. Par contre, je comprends qu'il y a des femmes à qui ça peut déranger. Non, pars pas avec tes amis, etc. Ce que j'en reviens à dire, ce que je disais tout à l'heure, on est tous différents. Donc, soit moi maillot, moi sexy, moi mon mari, je laisse partir, y a pas de souci. Moi, je pars comme je veux, y a pas de souci. Des vacances avec les enfants, des vacances sans les enfants, des vacances chacun de notre côté avec nos amis respectifs. En fait, on est épicurien, c'est-à-dire qu'on est bon vivant. On aime bien la vie, on n'aime pas se prendre la tête, on aime profiter. Putain, moi je me dis, on est en bonne santé, t'as des gens, ils sont à l'hôpital, t'en as, ils sont en train de mourir. Quand je suis rentrée de vacances, c'est vrai que j'étais déconnectée, j'ai vu là pour l'Ukraine et tout, j'ai dit, waouh, t'as des gens, enfin il y a des gens, c'est chaud, t'as des cancers, des maladies, pourquoi se plaindre en fait? Moi j'apprends à aimer chaque journée parce que je me dis, waouh, t'en auras peut-être pas demain en fait, kiffe, profite, prends-toi pas la tête. Donc voilà, j'ai même plus la base de base du. Je voulais dire un truc de base, un petit truc court, mais après. En fait, je vais refaire une vidéo YouTube parce qu'il y a plein de trucs de sujets. D'ailleurs, j'ai ma pièce en bas que j'ai faite, je vais vous remontrer. Vraiment, vraiment, faut que je me sorte sur ces vidéos YouTube, j'ai trop envie de reprendre. Faut que je me mette dessus. Mais ouais, voilà, aimez votre vie, voilà. Ne vous compliquez-vous pas la tête. Il y a des choses tellement plus graves que faut relativiser plein de situations, se remettre en question. Est-ce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment grave, que ce soit avec mon mari, mon fils, quelle importance je dois y attacher? Voilà, je prends toujours du recul, je me remets toujours en question. Des fois, bien sûr, hein, ça m'arrive d'avoir des journées où je suis énervée, où j'engueule mes enfants, où je les dispute, qu'on me dit, tu t'énerves jamais. Oh, si, 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 je m'énerve, je m'énerve. Mais ouais, soyez cool, faites-vous plaisir, prenez du bien pour vous. Moi, en fait, voilà, moi, ma famille avant tout, et après le reste. Bon, sur ce. Après les vacances, là, j'ai mangé que de cochonneries. J'ai pris 2 petits kilos. C'est pas grave. Au moins, j'ai kiffé. Donc là, je voulais faire un blanchiment dentaire. Vous savez à quel point moi, je fais très attention. Mon corps, ma peau, mes dents, mes cheveux, tout. Voilà, j'aime bien prendre soin de moi maintenant. Et puis, je trouve que enfin, pas pour me jeter des fleurs. Attention, c'est aussi un petit peu la génétique de peau, etc., de famille. Mais à mon âge, 35 ans, les rides, les ridules, bien sûr, j'en ai et tout, rides d'expression. Mais les dents, j'en prends soin, tu vois, elles sont pas jaunes, je vais souvent au dentiste, je fais mes blanchiments, je mets de la crème sur ma peau. Bah, les dents, c'est pareil, c'est hyper important. Et là, du coup, CocoLab, pourquoi j'adore? Parce que c'est une formule, ce sont les seuls à avoir. Donc en fait, ils ont développé leur propre formule, la formule PAP. Bon, pour tout ce qui est sensibilité des dents, etc. Donc là, pas de sensibilité du tout. Testé scientifiquement, approuvé, donc vraiment pour les dents blanches. Donc là, c'est le kit de blanchiment que moi j'ai pris. Et en fait, à l'arrière, tu vois la formule PAP, donc elle efface les taches internes. Ça évite la sensibilité. Ça, c'est vraiment développé, élaboré par la marque CocoLab. Donc là, tu es sur un kit de blanchiment. Trop bien. Donc je vais te montrer, je vais te l'ouvrir à l'intérieur. C'est une super, super marque. On entendait de parler de partout, que ce soit dans Closer, je l'ai vu dans France, ils étaient dans Top Santé. Donc là, vous avez le kit de blanchiment dentaire de chez Cocola. Donc, tu as 3 stylos blancheurs, la lampe bleue pour accélérer le blanchiment dentaire et la petite gouttière. Donc, tu peux gagner jusqu'à 8 teintes pour retrouver l'éclat naturel de tes dents initiales. Parce que bien évidemment, avec tout ce qu'on mange, si on fume le café, les coca, le thé, la stomate, etc., eh ben, il y a tous ces facteurs quotidiens et normaux font que nos dents s'abîment. D'ailleurs, si tu as une sensibilité au niveau des dents, la formule PAP, donc vraiment qu'ils ont faite, unique, développée, eh ben, fait que du coup, au niveau des sensibilités des dents, tu n'en auras pas du tout. Donc, tu vois, tu gagnes jusqu'à 8 teintes, seulement 10 minutes par jour. La lumière bleue accélératrice.
Donc ici, tu vois, tu as tout, ça protège. Donc, tu vois, protège les mailles, efface les taches internes, externes, réduit les sensibilités et avec l'aloe en plus et certains fruits, il apaise les gencives. Donc, moi, je me suis préalablement lavé les dents. D'ailleurs, avant un blanchiment, lavez-vous toujours les dents, en fait, pour optimiser le blanchiment. Faites-le pas tout de suite sur les dents comme ça. Brossez-vous les dents un petit coup rapide pour optimiser. Donc, Cocolab, the best avec la formule PAP uniquement chez eux. Donc là, je vais me faire un blanchiment dentaire et j'ai un super code promo. Donc pour ce kit-là, vous avez moins 30% de réduction. Donc là, au lieu de 69,95, tout le kit, tu peux l'avoir à 48,97 avec mes moins 30% valable uniquement sur les 100 premières commandes. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais. Donc du coup, même sur des dents hein, qui sont très tachées, tu peux gagner jusqu'à 6 teintes. Donc au niveau de l'application, tu as ton petit stylet blancheur. Tu en as 3. Donc tu en as en plus pour un petit moment. Tu l'appliques sur ta gouttière. De cette façon, je vais en mettre un petit peu plus. Vraiment niveau sensibilité, avec la formule PAP sur celui-ci, vous n'aurez pas de sensibilité. Et il est sans peroxyde. Ensuite, tu vas venir le placer. Et tes dents, le fait que tes dents appuient, ça va diffuser le produit, le gel blancheur qui est d'ailleurs fait en France chez Cocolab sur tes dents. Il y a des résultats de fou, je vais te mettre des avant après et te montrer sur le site. En tout cas, si vous souhaitez profiter de moins 30%, ils sont valables sur tout le site avec mon code Julie. Mais ils sont également valables sur le kit. Hein. Donc vraiment sur tout le site, c'est the best. Donc, je vais faire l'autre côté, je vais appliquer. Je vous ai dit Julie, je crois à l'oral, c'est Julie 30 hein, mon code, mais à l'écrit, je l'ai bien écrit. Un petit peu sur le haut, un petit peu sur le bas. C'est écrit en français au niveau de la notice. Donc là, je pourrais plus vous parler. Franchement, avec ce kit, là, vous en avez pour 6 jours. Et vous verrez dès la première utilisation une différence au niveau de la teinte, de la blancheur de vos dents. Donc là, tu en as pour 6 jours. Tu te fais le kit et tu as les dents qui sont white, white, white. J'en profite parce qu'après, je ne pourrais plus parler. Tu as la livraison en 48 heures. Si tu ne gagnes pas jusqu'à 2 teintes, tu as le remboursement possible. Donc, une fois que je l'allume, je mets la gouttière. J'en ai pour 10 minutes. C'est relativement simple. Ça ne prend pas beaucoup de temps à faire de temps en temps en fonction de tes dents. Là, tu vois, moi, en l'occurrence, à toi de vacances, je me dis, allez, je vais faire un petit blanchiment. Puis, c'est quelque chose, sourire quotidiennement. Je suis en train de rigoler, etc. J'aime bien avoir une bonne hygiène dentaire, que ce soit chez le dentiste. Et pour les caries et tout, je vérifie souvent. Les dents, je les ai faites alignées avec l'Invisalign et tout, je fais très attention. Et le côté blancheur des dents, tout de suite sur le visage, ça égaye, ça fait un petit côté propre, bien évidemment. Plus tu as les dents blanches, plus c'est joli aussi. Voilà, c'est parti. Ça y est, je viens de l'enlever. Et il est grave bien. Direct, j'ai les effets, j'adore. Moi qui reviens en plus tout juste des vacances. Donc là, je suis en train de faire la linge. Trop contente depuis 10 minutes, c'est rapide. J'aime bien, parce que des fois, c'est plus long. Trop bien. Bah là, je vais le faire sur les 6 jours à venir. Je vais le faire tous les jours pendant 3 jours. Parce que les 3 seringues, elles te font 2 jours. Donc là, je vais me faire le petit kit pendant 6 jours. Je vais les avoir après en plus, qui sont trop bien. Donc là... Bon, en même temps, tout ça, c'est tout ce que je sors du sèche-linge. Et puis, je continue mes petites machines. Hein. On va mettre tout au sèche-linge. D'ailleurs, le sèche-linge, je mets pas tous les vêtements doudou, etc. Ça dépanne bien. C'est vrai que les trucs comme ça, matière de sport élastique ou avec des élastanes, je mets pas trop. Tout ce qui est coton, tu vois, genre par exemple, toutes les petites matières fines comme ça, l'esprit plage, maillot de bain. Je partage ma journée avec vous. Ça, c'est le linge à monter. Ça, c'est ma gouttière Cocolab. Trop bien, je vais me la mettre en haut de la salle de bain. Ça, c'est le lit de Jenny qu'on a démonté. Il faudrait qu'on s'en occupe. Oh là, j'ai une chaise haute qui est trop belle que j'ai commandée, Made in France, chez Migo pour Joval. Il faudrait que je demande à PJ de la monter. Moi, j'aime pas monter les trucs et tout. Donc ça, je vais me le monter en haut de la salle de bain. Ça, c'est à monter. Mais ça, oh, ça, c'est pour mon bébé.
J'ai lavé le duvet, vous savez, quand les enfants sont en vacances, donc le duvet, tout propre, ça sent bon. Il a son classeur d'école, son sac de rechange, donc ça, ça va être pour l'école. Oh, mais ça, faut trop, je disais à PJ de la montée. Je vais vous montrer vite fait le tissu que j'ai choisi. Elle existe en plusieurs coloris, t'as même les thèmes Disney. Donc moi, j'ai pris avec cette toile de tissu. Donc tu vois, tu peux changer. Et celle-ci, j'aimais trop, esprit dalmatien avec des petits pois. Bon, vu comme ça, hein, Nania, c'est dur de... Je vais vous montrer le site, ce sera peut-être plus simple. Mais voilà, il faut que PJ s'en occupe, en fait. Je ne l'ai pas encore dit. En fait, sur le site My Car Seat, c'est ici aussi que j'ai pris la poussette double. On m'a pas mal demandé, je la remonte, la Gaïa, à 0,36 mois. Donc là, elle est avec les garçons. 199 €, la poussette double. Esprit Can, quand tu l'as pris, elle est grave petite, franchement. C'est une des plus petites que j'ai eues. Les autres étaient plutôt mastoc. Donc là, 199 €, quand elles en font rapprocher ou jumeler. Et ça, c'est la poussette rubis que j'ai prise en République. J'ai adoré pour Jenny, elle fait 0,48 mois. En fait, je trouve que la tête était un peu plus haute des autres poussettes. Maintenant qu'il a grandi, bon, voilà, ça allait pas trop. Celle-ci aussi, on l'a eu, l'Amigo. Et attends, je voulais vous montrer du coup, tac, 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 les chaises hautes de bébé. Donc moi, j'ai pris le motif géométrique et dalmatien. Et voilà, c'est celle-ci. L'avantage, en fait, c'est que tu vois la chaise haute, en général, tu n'en sers plus, tu la donnes, tu la vends. Là, elle peut se transformer en petite chaise. Donc, c'est trop cool quand l'enfant grandit et qu'il évolue. Et ben après, la chaise haute, quand même, elle sert en petite chaise à l'enfant. Puis, tu as différents coloris. Donc, c'est celle-ci. Tout rangé, ça fait du bien. D'habitude, c'est le bordel. Donc là, la plupart de mes vêtements que vous voyez, on est tout chez Cinelle Boutique pour l'été. Dans la nouvelle co, j'ai pris plein de choses assez colorées. J'ai encore tout ce qui est les petits pulls d'hiver. Bah là, il fait quand même encore froid, des jeans. Les manteaux, tout, tout, tout. Beaucoup, beaucoup de mes vêtements viennent de chez Cinelle Boutique. Leurs vêtements, accessoires, je prends plein de choses chez eux. J'adore ce qu'ils font. Tu vois, il y a même des vêtements encore. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer 2-3 vêtements portés. Et sache que tu as mon code Julie30, moins 30%, voilà, sur toute la boutique en ligne, Cinelle Boutique. Et voilà un petit look de chez Cinelle. Donc, Cinelle, c'est quoi? Bah, en fait, c'est simple. C'est une boutique en ligne. Donc, il y a quelques boutiques, Lyon, Villefranche, vous pouvez voir sur le site. Mais bon, c'est sur le code Julie30. Donc, tu as de tout, des vêtements tendance à petit prix, des nouveautés hyper régulièrement. Donc là, j'ai pris cette chemise avec un petit col V effet marbre que j'adore. Cinelle et ces baskets que j'ai prises en blanche qui sont encore dans ma valise parce que je les avais emmenées en République. Et bleu ciel. Donc là, j'adore avec la surchemise. Vous avez également du bleu ciel avec du marron. Cinelle, c'est quoi? C'est des petits prix et beaucoup de choix. Et surtout, plein de styles différents. Là, avec les nouveautés, je vous montre dans l'autre sens. Trop foncé dans le miroir, un petit peu plus stylé, moins évasé que l'autre, plus classique, mais qui apporte vraiment un bel effet. Ça, j'adore. Autre petit look, j'adore. Donc du coup, moi, j'ai pris plein de surchemises. T'as encore les deux, donc il fait froid, tu peux prendre des vêtements ou si t'es plutôt frileux. Et la nouvelle co où tu peux te faire plaisir avec des choses un peu plus colorées, plus légères. Donc là, les bottines comme ça, marron, que j'adore. Niveau des jeans, moi j'ai un classique, mais t'as des Mumfit, t'as des tailles larges, t'as vraiment plein de choix. Donc là, cette surchemise de chez eux, que j'aime beaucoup. J'ai ajouté, pour faire un petit style, donc une petite pochette, parce que t'as pas mal d'accessoires sur la boutique en ligne de chez Cinelle. Ça très canon, mon code promo est valable sur tout le site, sans minimum d'achat. Alors ça, c'est parfait. Ah voilà, je m'approche plus, j'allais dire, je suis à contre-jour. Les petits ensembles comme ça, j'adore. Même sous marbré, il est trop beau. T'as vraiment plein de looks différents. Là, tu peux garder ça aussi, ce petit pantalon. Hop, je peux le remettre indépendamment sans forcément le mettre avec la veste de costume. Et la veste de costume, c'est un type classique que tu peux remettre avec plein de tenues. J'adore vraiment ce qu'ils font. Je vous les montre souvent. Et c'est trop bien ce qu'ils font. Des petits prix, de la nouveauté tout le temps. Ce costume, il est magnifique. Très joli. Moi, j'adore. Regardez, cet ensemble aussi, j'ai gardé. Donc, la petite jupette qui va avec le haut, je ne l'ai pas encore mis. J'ai gardé la chemise marbrée. T'as plein de styles, hein. Sport, confort, évasé, chaussures ouvertes, fermées. Ça y est, tout arrive. Je vais vous le montrer avec la veste. Et ben voilà.
L'ensemble porté, j'adore. Moi, je trouve ça très joli. Autant avec des chaussures plates ou un petit talon, tu peux lui donner deux looks. C'est simple, mais c'est efficace. Enfin, c'est simple quand même. C'est travaillé, il y a les petits boutons, ça reste sophistiqué. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est trop mon style aussi. Moins 30% valable sur toute la boutique en ligne avec mon code promo Julie. Je vous mets le lien, ça et pop. Ah, je vous avais pas dit la grande nouvelle. Gianni, il est fier. J'aurais dû le faire dire à lui ce matin. Il a dit à tout le monde, il est trop content. Ça y est, il est propre. En fait, en vacances, j'ai voulu essayer. Je dis, allez... en plus, je suis mauvaise, sans grande conviction. C'est la carte de mon fils. Parce que pour le rendre propre, c'était un petit peu long. Enfin, moi, perso, je trouvais que c'était long de répéter, d'expliquer, etc. Voilà, il a mis du temps. Bon, c'est pas grave, hein, on leur apprend. Mais alors, du coup, la nuit, je me suis dit, ça va être compliqué. Sauf que pas du tout, en fait, à l'hôtel, je me suis dit, allez, je lui explique. Je lui mets pas de couche. D'ailleurs, je lui ai demandé. D'abord, je demande toujours s'il me dit non, plus faire pipi, comme les grands, etc. Il m'a dit, ouais, je ne lui ai pas mis de couche une nuit, fais pas pipi. Je ne lui mets pas de couche deux nuits, fais pas pipi trois nuits. Toutes les vacances, pas de couche. Il a dormi ici hier soir, pas de couche, pas de pipi. Bref, je suis trop fière de lui. Donc ça y est, il ne veut plus mettre de couche. De toute façon, il ne fait pas pipi. Il y aura des loupés, bien évidemment. Ça fait partie des enfants. Je pense quand il y aura la période cauchemar. Les petits trucs comme ça, les petits pipis. Mais il a fait dodo dans son lit. Ça y est, là. Donc Gianni n'a plus de couche, uniquement Jojo. Et donc voilà, donc là je vous le redis, il y avait eu deux personnes qui m'avaient demandé pour les vacances d'où venait le lit, parce que je vous l'avais montré, c'est le lit cabane de chez Housewood, que j'adore. Et d'ailleurs j'ai fait faire à la main avec des tissus français, elle aimait tellement canon. Elle fait des trucs de qualité chez Tricotinette. Je vais vous mettre leur Insta aux deux parce qu'elles sont juste top, elle fait d'autres choses, hein, Tricotinette. Moi j'ai fait faire ce voile de lit. Pour Gianni. Donc là, j'ai le lit cabane Housewood. Et de base, j'ai le lit hérisson. Donc, quand Gianni reçoit des amis, je lui avais pris ce lit. Mais en fait, il est trop grand pour lui. Je pense que c'était pas assez rassurant. Il fait la sieste, mais il y passe pas la nuit. Donc, du coup, il reçoit ses copines et ses copains pour faire deux. Quand il reçoit quelqu'un à la maison. Donc, bref, en gros, ouais, il a plus de couches. Ça y est, je suis trop contente. Je pensais que ça allait être grave, grave, grave galère. Et pas du tout. Je vous remonte dans l'autre sens. Donc, le lit cabane. Les deux viennent de chez Housewood et le voile de lit Tricotinette, je vais vous mettre leur Insta. Et donc là, c'est le lit hérisson. Tu peux choisir l'ouverture du côté que tu le souhaites. Moi, j'ai choisi à gauche, mais après, tu peux la choisir là. Vraiment où tu veux, c'est du fait sur mesure avec un bois de qualité. Moi, j'avais mis toutes ces petites boules là. J'adore ça, je l'avais acheté hop sur Amazon, mais bon, t'en trouves de partout. Voilà, je les ai laissées dans ce coin-là. T'as trois intensités le soir quand on lit les histoires. Je les avais mises tout autour. Mais Giovanni, il arrache les petites boules. Là-bas, il ne les touche pas. Donc, du coup... Bon, qui dit sèche-linge, dit aussi, après, il faut tout trier. Hein. Bon, Gianni, le week-end, il a le droit à son petit iPad. Le week-end, c'est la fête. Il est vacances. Mais le week-end, tu as le droit à ton... Ah, yes. Giovanni, on ne lui donne jamais. Mais là, pour lui montrer, je lui ai pris ma petite tablette. C'est VTech. C'est Costario Max. Que j'avais acheté pour Gianni qui a été plus petit. Alors lui, on lui fait pas trop regarder les écrans. Bon, là, il est content, du coup, il sauve. Je pense qu'il a peur que je lui enlève. Tu vas où avec l'iPad? Comme ça, il croit qu'il a l'iPad. Mais... Tu vas où avec l'iPad? Il t'attrape? Tu te sauves. Oh, yo, yo, tu te sauves. Boah! T'as ton petit canapé? T'as ton petit canapé? Comment tu danses? Tu danses? Oui. C'est trop beau. Ça y est, on retrouve tous les jouets de la maison. Ça, c'est des auto-tamponneuses de maison. C'est fait exprès, je les avais achetées sur un site qui dit car. Pour Gianni qui a 3 ans, c'est un peu lent parce qu'il est habitué à des gros véhicules. Mais quand même, il s'amuse. Pendant que je fais le linge, c'est bruyant. Si vous n'aimez pas le bruit, il ne faut pas prendre ça. Ouais, allez mon bébé.